Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Dikembe Mutombo, ancien basketteur international de NBA. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Ma femme et moi, nous avons fait de nos miens d'enlever nos enfants et leur donner l'opportunité, ce que nous n'en avions pas, de grandir dans un environnement très bien et d'avoir la prospérité d'aller en avance, de réussir dans la vie. Et tant que papa, étant que basketteur, ancien basketteur, parce que je ne suis plus basketteur. Dikembe Mutombo, né le 25 juin 1966 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est un ancien joueur congolais de basketball. Surnommé le Mont Mutombo, il mesure 2,18 mètres. Il est célèbre pour son jeu très défensif. En 18 saisons de NBA et près de 1200 matchs, il tourne à des moyennes de 9,8 points, 10,3 rebonds et 2,7 contres. Avant de partir aux États-Unis, Mutombo a commencé sa carrière de basketteur au sein de l'équipe Onatra de Kinshasa en République démocratique du Congo. Initialement destiné à devenir médecin, Dikembe Mutombo étudie à l'université de Georgetown, où John Thompson le convainc de jouer dans l'équipe NCAA des Hoyas de Georgetown. Il devient un excellent pivot dans la tradition de se former à Georgetown et évolue aux côtés d'Alonzo Mourning. Lors de la draft 1991, Mutombo est sélectionné en quatrième position par les Nuggets de Denver. Son jeu a un impact considérable et il devient All-Star dès sa saison de rookie. Avec une moyenne de 16,6 points, 12,3 rebonds et 3 contres par match, le Zaïrois s'impose comme la pierre angulaire de la franchise du Colorado et comme un des meilleurs défenseurs de la ligue. Manquant de joueurs de qualité à ses côtés, Mutombo n'atteint jamais les sommets avec les Nuggets de Denver. En 1993, la marque de vêtements et chaussures de sport Adidas sort un modèle de chaussures de basketball semi-montante appelé Mutombo. Les trois bandes de la marque sont figurées, sur ce modèle orné d'un bouclier africain stylisé, par trois languettes passe-lacets en plastique noir. En 1996, il rejoint les Hawks d'Atlanta avec lesquels il continue ses prouesses défensives et est élu meilleur défenseur à plusieurs reprises. En février 2001, Dikembe Mutombo rejoint les 76ers de Philadelphie avec lesquels il participe pour la première fois aux finales NBA perdu face aux Lakers de Los Angeles. Il continue d'exceller en défense la saison qui suit avant de rejoindre les Nets du New Jersey, où il passe la plupart de son temps à l'infirmerie. Il fait ensuite des brefs passages chez les Knicks de New York puis transite aux Bulls de Chicago, où il ne joue aucun match, avant d'atterrir à Rockets de Houston en 2004, en tant que remplaçant de Yao Ming. Associé à son prédécesseur Patrick Ewing, devenu entraîneur assistant, les dirigeants du club comptent sur lui pour former le géant chinois au poste de pivot. Lors de la saison 2006 à 2007, il tourne à 3,1 points, soit 10,1 points en carrière, 6,5 rebonds, soit 10,6 rebonds en carrière, et un contre, soit 2,8 contres en carrière de moyenne par match. En octobre 2007, à 41 ans, il prolonge d'une année son contrat avec les Rockets de Houston. Cependant, il décide de mettre un terme à sa carrière le 22 avril 2009, à la suite d'une blessure au genou gauche, lors du deuxième match du premier tour des playoffs face aux Trail Blazers de Portland.
Dikembe Mutombo est également reconnu pour ses nombreuses implications caritatives, notamment en lien avec son pays natal, la RDC. En 2005, il finance, à hauteur de 24 millions de dollars, la construction de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, dans la commune de Massina, à Kinshasa. Dikembe Mutombo est marié officiellement à Rose Mutombo, depuis 1996 à Chicago aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, à chaque occasion, Dikembe Mutombo ne manque jamais de complimenter son épouse. Par exemple, pour la fête des mères, le 8 mai 2022, l'ancien basketteur a écrit « Nous sommes nés de l'amour, l'amour est notre mère. Je le crois. Bonne fête des mères à ma belle épouse et à toutes les mères. Merci beaucoup de partager votre amour avec votre belle famille et le monde. Que Dieu vous bénisse. » Et à l'occasion de leur 27e anniversaire de mariage, le 15 juin 2022, sur Instagram, le pivot congolais a de ce fait posté quelques photos prises avec sa femme, et il a écrit « Aujourd'hui nous célébrons le 27e anniversaire de notre relation. Nous avons traversé tellement de choses ensemble, bons et mauvais moments. Nous chérissons tout ce que nous partageons. La vie nous a emmenés dans de nombreux voyages, mais tu as toujours été avec moi dans tout ça », a déclaré Mutombo à son épouse Rose. Dikembe et Rose Mutombo sont parents de trois adorables enfants. En première position nous avons Kari Biamba Marie Mutombo, née à Washington aux États-Unis. En mai 2019, Kari surprend sa famille, particulièrement ses parents Dikembe et Rose, en les annonçant qu'elle fréquenterait la faculté de droit de Georgetown l'année prochaine. Une nouvelle qui a réjoui tous ses proches. Éprouvée de la joie, Dikembe n'a pas manqué de féliciter Kari sur Instagram, en écrivant « Merci mon Dieu de nous avoir bénis avec cette belle fille. Nous sommes si fiers pour elle. » Le 23 mai 2022, après 3 ans d'études, elle obtient son diplôme en docteur en droit de Georgetown, et rejoint les 5% d'avocats noirs aux États-Unis. En deuxième position nous avons Jean-Jacques Mutombo Jr., né à Washington aux États-Unis. Jean-Jacques est le plus discret des enfants Mutombo. En mai 2019, Dikembe Mutombo félicitait son fils pour avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. D'ailleurs il a écrit « Fier de notre fils, Jean-Jacques Mutombo Jr., diplômé de la Lovett School aujourd'hui et qui va à l'Université de Columbia. Rose et moi remercions Dieu chaque jour pour la bénédiction que nous avons. » En troisième position nous avons Ryan Mutombo, né à Atlanta, en Géorgie aux États-Unis, est le plus célèbre des enfants de Dikembe Mutombo. Contrairement à ses frères, Ryan emprunte le même chemin que son père, celui du basketball. Ryan a fréquenté la Lovett School à Atlanta avant de signer avec les Hoyas. Il a disputé 54 matchs à Georgetown, faisant un départ, et a réalisé une moyenne de 8,1 minutes, 3,3 points et 2,3 rebonds au cours de ses 3 saisons là-bas. Il a également réussi 51,8% de ses tirs depuis le sol. Fortement recruté chez Lovett, Ryan était un espoir 4 étoiles et classé numéro 112 au pays par 247 sports dans la promotion 2021. Il a fait partie de la première équipe de tous les États sélectionnés par l'Atlanta Journal Constitution et a marqué plus de 1500 points au cours de son parcours au lycée. Sa meilleure saison à Georgetown a eu lieu en première année, lorsqu'il a disputé 27 matchs et obtenu une moyenne de 5,1 points et 3,0 rebonds tout en bloquant 23 tirs, deuxième de l'équipe. En mai 2024, Ryan a signé une subvention d'aide pour rejoindre le programme de basketball masculin de Georgia Tech, a annoncé l'entraîneur-chef Damon Studamire. Il disposera d'une saison d'éligibilité avec les Yellow Jackets.
Nous sommes ravis d'intégrer Ryan à notre programme, a déclaré Studamir, qui en est maintenant à sa deuxième année à la tête des Yellow Jackets. Ryan nous donne de la taille et une capacité de blocage des tirs ainsi qu'une profondeur supplémentaire dans notre zone avant. Tout comme Javian et Luke, son expérience nous aidera bien, a déclaré l'entraîneur Damon Studamir. Et voilà les amis, l'ancien basketteur NBA, Dikembe Mutombo n'a que 3 enfants, dont une fille, Karibiamba Marie Mutombo, ainsi que 2 garçons, Jean-Jacques Mutombo Jr. et Ryan Mutombo. C'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.